Salut tout le monde, voici la vidéo setup que certains attendaient pour 2025. Donc ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo de setup 2024, bah, n'hésitez pas à aller la voir. Ça n'a pas trop changé, je suis dans le même bureau, bien sûr j'ai fait quelques améliorations. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir d'abord et ensuite revenez voir cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter là où je travaille, donc ce bureau là avec tous les accessoires, tout le matériel que j'utilise aussi. Et avant tout, un petit mot de notre sponsor d'aujourd'hui. Et notre sponsor, c'est Lalai AI, qui est une plateforme qui propose trois outils d'intelligence artificielle. Le premier, ça va te permettre de séparer les voix et les instruments d'un audio. Voici un exemple. Got a feeling and I don't know why. Got a feeling and I don't know why. Le deuxième, il va détecter automatiquement les bruits de fond et les retirer pour avoir un son super net. Et le troisième très marrant, ça te permet de changer la voix dans celle que tu veux parmi une sélection. N'hésite pas à essayer la plateforme, il y a une version gratuite, je te mets le lien dans la bio. Alors voilà, en un an, le bureau a bien changé, a bien évolué, j'ai acheté plus de choses, j'ai reçu aussi plus d'objets aussi tech par rapport à toutes les compagnies avec lesquelles j'ai collaboré, j'ai travaillé cette année. Donc on va commencer par déjà le bureau, il fait à peu près 9 mètres carrés, si j'ai pas de bêtises, voire plus ou moins. Peut-être ceux qui verront la vidéo, vous allez me dire non, pas du tout, ou peut-être un peu plus grand. Et en fait, comment j'ai organisé ce bureau-là, déjà, il y a quelques espaces de rangement, donc je ne m'attarderai pas dessus. Mais surtout, il y a la partie déjà, le bureau que je partage avec ma femme. Donc comme vous pouvez le voir, moi je suis à gauche et elle, elle est à droite. Et derrière moi, derrière le bureau, il y a un espace où je range en fait tout le matériel. Ça fait un peu établi, un peu plan de travail, où je mets aussi tous mes objectifs, tout ça. Et on va commencer par là, allez. Alors comme je vous ai dit, c'est un espace où je vais mettre tous mes appareils photo, tous mes objectifs. Bon là, j'utilise le FX30 que vous ne verrez pas sur cette vidéo. Mais c'est là aussi où je mets tous mes appareils photo, enfin tous les appareils électroniques, pardon, tous les objets que je reçois aussi. Donc par exemple, tous les téléphones qui sont en test ou que j'ai reçus ces derniers mois, je les mets là aussi. Les accessoires, toutes les batteries externes, quand j'ai besoin d'une batterie externe pour recharger mon téléphone quand je suis à l'extérieur, c'est là aussi que je viens prendre. Je vais pas aller dans les détails de tous les rangements en bas, c'est aussi là où il y a tous les câbles, si j'ai besoin d'un câble USB type C, si j'ai besoin d'un câble même Lightning, micro USB, XLR, ce que tu veux. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi des câbles jack, des câbles audio, donc il y a vraiment tout ce qu'il me faut. Si vraiment j'ai besoin d'un câble, c'est là que je vais chercher. Après, sur mon plan de travail, c'est là aussi où j'ai mis les câbles que j'ai le plus besoin, donc très rapide, un câble USB type C par exemple, ou aussi j'ai mis quelques accessoires pour notamment les mettre sur mes caméras, des accessoires qui me permettent en fait d'ajouter un cold shoe par exemple sur une caméra, ou si j'ai besoin d'une vis ou quelque chose comme ça, j'ai vraiment tout ce qu'il faut là. Et juste à côté, j'ai un petit meuble aussi que j'ai aussi acheté chez IKEA. Donc la plupart des meubles que vous allez voir aussi sont chez IKEA. Je mettrai aussi en description, pas tout, parce qu'il y a vraiment trop de choses, mais les plus gros trucs, donc mes caméras que j'utilise, mes périphériques que vous allez voir tout à l'heure, je mettrai tout en description si ça vous intéresse. N'hésitez pas à utiliser le lien, ça permet de soutenir la chaîne aussi juste en utilisant ces liens-là. Et donc dans ce petit espace que j'ai là en dessous de la fenêtre, c'est là où je mets les petites lumières. Je dis bien les petites parce que j'ai aussi des grosses lumières que j'utilise pour le studio ou pour faire des grosses vidéos. Mais des petites lumières qui sont souvent sur batterie ou qu'on peut alimenter directement via USB-C. J'aime beaucoup ces lumières, elles sont très compactes et très puissantes. Je les mets là aussi bien pour le côté visuel et je trouve qu'elles sont très sympas. Mais aussi ça m'arrive parfois de les utiliser, que ce soit pour m'éclairer moi-même ou parfois pour avoir un fond de couleur en orange, en rouge ou n'importe quelle autre couleur. Et juste à côté, j'ai aussi quelques tubes lumière que j'utilise un peu moins, mais je vais utiliser un peu plus sur mes vidéos, notamment verticales. Il y a donc les trépieds que j'utilise aussi bien dans le studio ou des trépieds que j'utilise en déplacement, donc des trépieds un peu plus légers, mais peut-être un peu moins stables, ou des trépieds un peu plus costauds, mais un peu plus rigides et aussi plus lourds. Donc voilà, cette partie-là, elle a un peu évolué par rapport à l'année dernière. C'est vraiment un espace où ça me permet en fait d'avoir tous mes accessoires à portée de main. Dès que je me retourne derrière mon bureau, j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Si je veux améliorer quelque chose sur mon matos, et si je veux retrouver quelque chose, si j'ai besoin d'un câble, si j'ai besoin d'une lumière, toutes les batteries aussi sont là. Donc vraiment, c'est un espace qui est important pour moi, qui me permet de mieux travailler et aussi plus rapidement. Et avant de passer sur le bureau, j'aimerais juste parler d'un accessoire, c'est plus un pied que j'ai acquis cette année qui coûte quand même dans les 200 euros, je mettrai le lien aussi.
mais vraiment qui change la vie. C'est un trépied qui est sur roulette et en fait j'ai mis en fait ma caméra dessus, j'ai mis une petite lumière dessus et en fait ça me permet d'avoir plusieurs angles de vue avec toujours la même prise, toujours la même lumière. Donc c'est vraiment très pratique et tout en haut aussi j'ai mis une lumière que ça permet de tester parfois les lumières, parfois faire des jeux de lumière aussi. J'utilise un peu moins, mais juste la caméra et la petite lumière sur le côté, ça me permet de faire vraiment pas mal de scènes pour mes vidéos TikTok, pour mes vidéos YouTube. Et ce qui est bien, bah, c'est que bah, ça roule, tout est sur batterie normalement, si j'ai bien fait les choses, tout est sur batterie. Et ça me permet en fait de vraiment me filmer à n'importe quel angle sans devoir réinstaller le trépied, réinstaller la lumière. Et quand j'en ai plus besoin, j'ai juste à le mettre sur le côté, donc là, sur un petit espace, ça me gêne pas plus que ça. Et je trouve que ça prend moins de place qu'un trépied ou deux trépieds, c'est pour avoir une lumière, une caméra, ou même si tu veux un prompteur ou autre chose encore, ou un microphone sur pied, ça fera beaucoup de place dans un espace aussi petit que celui-là. Donc moi, ce trépied-là, je le recommande. Il coûte quand même assez cher. Il est dans les 200€, mais je le vois comme un investissement. C'est un trépied qui est très solide. On peut même venir mettre des sacs de sable si on veut, pour mettre des poids, pour vraiment rendre le truc encore plus solide et mettre des objets un peu plus lourds si on veut. Moi, c'est pas le cas. Allez, c'est parti pour la partie bureau. Sûrement la partie qui vous intéresse le plus aussi. C'est là où je travaille. Donc moi, je travaille à gauche, comme je l'ai dit en début de vidéo, et ma femme travaille à droite. Bon, le bureau de ma femme, on va pas trop s'attarder dessus. Elle utilise des produits de chez Apple. Elle a un Mac Mini M1 et un écran que je lui ai filé. C'est un écran de chez MSI qui fait aussi 144 ou 100, je sais plus combien de Hertz, 240 peut-être Hertz. 27 pouces, très pratique en quad HD. Et de mon côté, j'utilise des périphériques que Alienware m'a envoyé et qui sponsorisent pas cette vidéo, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé leurs produits. Donc déjà, leurs claviers, ce sont les périphériques. Donc il y aura le clavier et la souris, ce sont les modèles pro, vraiment très agréables à l'utilisation et très précis. Donc j'étais agréablement surpris, donc merci beaucoup à Alienware. Et j'ai même utilisé leur écran, qui est un écran quad HD, 360 Hz. Je vous avoue que bon, au bout d'un moment, on voit plus la différence entre 200, 240, 360, mais voilà, ça me permet d'avoir un écran qui est très fonctionnel, qui est très beau aussi, qui est brillant. Attention, il y a des gens qui n'aiment pas les écrans brillants. Moi, j'aime particulièrement parce que je trouve que ça fait un effet un peu plus luxe. Je sais pas si c'est le cas, mais bon, voilà. Et sinon, pour mon PC, je le monte pas forcément parce que franchement, il est un peu genre en bas, caché et tout. C'est un PC de chez Alienware, c'est un i9 avec une RTX 3070 Ti. 32Go de RAM et 4Tera de SSD. Bon, si vous voulez une vidéo spéciale sur mon PC, pourquoi pas, mettez-moi dans les commentaires. Aujourd'hui, on part vraiment que du bureau, du setup en général. Et bien sûr, pour tout ce qui est audio, j'utilise des produits de chez Rode. J'ai un Rodecaster Duo, très pratique. Ça me permet de brancher mon microphone aussi de chez Rode avec le bras et le casque. Et j'ai aussi un casque sans fil de chez Logitech. Donc, il est très pratique parce que c'est un casque qui est vraiment... comme j'ai dit, sans fil, mais surtout qui a une autonomie de 24 heures. Donc en vrai, je peux l'utiliser autant que je veux, et dès que j'ai plus de batterie, en fait, j'ai juste à le poser sur son socle et ça charge. Pour mes haut-parleurs, ce sont des Edifier. Je vous avoue que la qualité n'est pas incroyable, je sais pas, mytho, mais j'aime beaucoup vraiment l'esthétique de ces haut-parleurs, donc je les utilise vraiment quand je regarde une petite vidéo. Oh, je mets un son, ça me permet de ne pas mettre mon casque à chaque fois, mais dès que j'ai besoin d'avoir un peu plus de qualité, je mets mon casque, comme ça je suis sûr d'avoir la meilleure qualité possible. Et comme vous avez vu aussi depuis le début de la vidéo, en termes de décoration, j'ai des cadres et des posters de chez PM, que vous connaissez peut-être déjà. C'est un artiste que j'aime beaucoup, un artiste français qui m'a envoyé justement ces affiches-là que j'ai mis dans des cadres Ikea. J'avais déjà eu des affiches et des produits de chez lui que j'aime beaucoup. Son design est vraiment incroyable. Donc j'ai recommandé, enfin je lui ai redemandé des affiches qui sont juste là. Vraiment, je trouve qu'ils sont vraiment incroyables avec ces trois couleurs différentes, ces trois styles différents. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai aussi le lien dans la bio de ce créateur que j'aime beaucoup. Donc merci PM si tu regardes la vidéo, on sait jamais. Et voilà, ça rend vraiment très bien, je trouve que ça rend la pièce un peu plus belle. Et en plus, je les ai mis en dessous de mes spotlight Hue. Du coup, ça fait un peu comme dans un musée. Mais d'ailleurs, en parlant de lumière, j'ai des Philips Hue en spot, pas en couleur, ils sont en blanc, froid et chaud. J'ai des strips aussi de couleurs et aussi les nanolifs que vous avez sur le mur, que j'ai depuis un certain nombre de temps maintenant, qui était déjà là dans mon setup d'il y a 2-3 ans, que j'aime beaucoup, ça me permet d'avoir plus de lumière et créer une ambiance dans le bureau. Donc voilà pour cette vidéo setup très rapide, hein, je vais vraiment pas rentrer dans les détails. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. En tout cas, j'aime beaucoup faire ces vidéos setup parce que moi, ça me permet de voir l'évolution de mon setup au fil des années. Et si vous avez aimé aussi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est la première fois que vous arrivez. Et on se retrouve à la prochaine.